Mais je vais péter mon crâne par contre, hein. Ok, prends ta spé. Oui, je sais ce qu'on va lui mettre. Oui, je le vois. Ouais, les BG, les BGettes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Légende. Aujourd'hui, on est parti pour aller showcase le petit Migaté. Migaté, ça fait depuis un moment qu'il est sorti sur le jeu. Ça fait depuis un an. Et aujourd'hui, on est parti pour aller le retester. Je l'ai pas énormément testé d'ailleurs sur la chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour voir ce qu'il peut valoir après tout ce temps. Oui, monsieur, après tout ce temps. Ouais, d'ailleurs, je bouge pas trop de la bouche. J'ai un aft. Dis-moi dans les commentaires si t'en as déjà eu. Mais c'est le truc le plus affreux que j'ai jamais eu de ma vie. Ça me brûle. Ça m'empêche de bien articulé, bref, c'est la merde. Mais bref, la mif, aujourd'hui on est parti pour tester Migaté dans une petite team sous 5 caps Zenkai. 5 caps Zenkai pour tenter de le remettre au goût du jour. Comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux soutenir cette chaîne, bref, je me répète pas, mais pense à passer sur les lives sur Twitch. On tape des barres incroyables, des clips, tout ça, des moments oufissimes. T'es sous pression tout seul. Kimetsu, bref, n'hésite pas à passer tous les soirs à 19h en live sur Twitch avec la MIF. Et nous, on décale tout de suite pour aller voir dans quel team on joue, bien sûr. On joue dans cette petite team Migaté avec SV Zenkai, Gatai, Goku SCJ3, Goten et Vegeta Scooter. C'est la team qu'on joue dans cette vidéo. On a full cap Zenkai pour le petit Migaté. Il se met plutôt Gucci, il faut le dire. Bref, en tout cas, en étant Gucci. Bref, on passe tout de suite aux équipements. Rien de difficile à dire, à part que vous allez voir, ça va tabasser. Vous l'avez vu dans l'intro, il rigole zéro, mon gars. Voici pour les équipements. N'hésitez pas à vous faire plaisir, prenez les meilleurs équipements. Je joue full Kikwa, dégâts d'SP et quantité de PV régénérée parce qu'il régénère les PV sur sa carte verte, une des ses grandes forces. Donc évidemment on va jouer sur ça. Bref, c'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Et n'oubliez pas, deuxième vidéo pour ceux qui n'étaient pas sur les lives sur Twitch. Bien sûr, bah, il faut être présent sur les lives pour connaître ce genre de choses. Après cette vidéo là, donc une ou deux heures après, vous aurez la react de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, dernier épisode pour ceux qui sont à jour, et oui, dans l'animé. Donc ne manquez pas ça les refs. Et puis moi je vous souhaite à bientôt, et on se retrouve à tout à l'heure pour le live du jour d'ailleurs. Officiellement parti pour les premières games avec Migaté. Je vous jure, je ne l'ai pas joué depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Je vous jure, ça fait trop bizarre de le ressortir. Vraiment, c'est... Par contre, les dégâts de Migaté. What the fuck, début de game. Attendez, attendez, les dégâts. L'aspect. On lui met combien? On lui met un bon petit média, il fait ici, hein. Mais oui, monsieur. Non, non, franchement, c'était excellent, par contre, ce qu'il vient de mettre là. La petite Kikwa. Les dégâts de Migaté, par contre, je veux bien qu'on soit avec beaucoup de caps Zenkai, mais quand même. Faut doser, quand même, là, vraiment. Par contre, c'est assez incroyable ce qu'on est en train de lui caler, là. Ok, j'aurais pu strike direct, j'ai un peu... Oula, j'ai un petit peu trollé. Ouais, par contre, on prend cher niveau def. On subit, hein. Migaté, il a pas changé, hein. Niveau def, c'est toujours une chips. Ok, pas de réflexe ici, c'est nickel. Gogeta Ultra, c'est encore mieux ce qui est en train de se passer là. SV qui rentre, heureusement. On a une strike, c'est un peu dommage. On va mettre Gatai ici, on va mettre Gatai un petit peu. Où est-ce qu'il a pris Gatai Zamasu? Après, c'est vrai qu'il a beaucoup moins de cap Z, hein, aussi, hein. Faut le prendre en compte. Mais ce qu'on a pris, c'était plutôt... Ouais, c'était plutôt incroyable. Ultime. Ouais, ultime, on va pas switch ici. Je rappelle que Migaté dispelle sur le main dans la zone, donc on n'est pas du tout à l'abri d'un petit dispel là, comme ça, pour dispel le petit SV. Et c'est même ce que je vais aller chercher, c'est un petit dispel sur SV pour le calmer un petit peu, parce que là, la SV, ça y est, la SV, il a les mains en V3. On peut y aller tranquille, hein, ici sur les strikes. Le petit break ici. Ok, bam, on esquive. Et puis on peut ultime, en vrai, nickel, hein. Magnifique, ici l'esquive elle était gérée à la perfection. Et vous voyez, dans ce genre de moment, l'esquive de Migaté elle reste totalement broken, hein. Vraiment. Ici on désintègre SV, on peut partir sur une verre directe. On touchera pas malheureusement. Rising Rush, on n'a pas le temps. Heureusement qu'on a la strike ici qui nous sauve. Mais le taf de Migaté est choquant ici, hein. Ok. Je suis en train de me mordre les lèvres là, parce que si on perd trop vite SV. Ah, il a l'ultime, dommage. On a perdu SV ici. Ah, Gogeta Ultra, le lock, mais c'est trop fort. Bon, on n'aura pas pu suivre de toute façon, mais... Mais c'est tellement fort, à moins qu'on survive avec une petite chance, mais je pense clairement qu'on est finito, hein. Clairement. On récupère un petit peu d'esquive. Puis on peut y aller avec Migaté, ici. Ah, c'était pas écœurant. Et ça passera quand même, ici, le petit choke. En vrai, il faudrait que Migaté tue sans le RR. Si Migaté tue sans le RR, c'est magnifique. Et puis, il en a tout l'air, hein, ici, avec les buffs de dégâts. Largement, largement il les met ici les dégâts. Nickel Migaté qui nous fait un taf de folie depuis avant. Je suis très heureux. Je suis très satisfait. Nickel ici la petite strike. On peut même partir sur une spé. Je vais pas partir sur le RR. Regardons les dégâts de la spé. Qu'est-ce qu'on lui met? Wesh. Ce qu'on vient de lui caler par contre. Ok.
Rising Rush un peu de choke de ma part quand même, on va esquiver. Et puis nickel ici, heureusement que c'est terminé. Et puis Migaté, taf de folie. Franchement, 5 caps Zenkai, bon évidemment ça l'aide un petit peu, mais franchement ça reste vraiment impressionnant les BG Wedge. Oh ce qu'il a calé, il a démonté en petits morceaux. Non, il en a fait du hachis parmentier, c'était magnifique. Migaté, très très beau jeu, très très belle. Bah en fait j'allais dire très très bon perso, mais oui, en vrai, il est pas si nul que ça en vrai, il reste quand même extrêmement violent offensivement. Mais faut prendre en compte encore, les beaux gosses, qu'il y a 5 caps Zenkai. Voilà, c'est le petit bémol, on va dire ça comme ça, mais il faut quand même le prendre en compte. Et on décale tout de suite. Quelle amif, deuxième game pour Migatax contre le petit Tag qui va d'ailleurs le choper dès le début ici. Ça va faire ultra mal, pas de break cover en plus de ça. S'il tente quoi que ce soit, voilà, on tente bien évidemment de riposter et on y va avec Migaté qui va quand même bien punir. Ah, par contre, il punit sévère Migaté. Oh, il punit sévère hein, dès le début de game comme ça. Mais après, bon, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vraiment très très bon ici ce qu'il propose. L'attaque directe ici, ouais ça paye nickel ici, on va aller sur la petite verte, je me doutais du switch donc c'est pas mal en vrai, la petite verte de son côté, j'avais tap attack, what the fuck, pardon le jeu, j'avais pourtant tap attack, bon cover, à prendre cher, on a pas beaucoup de cap Z ici, la réduction, on souffle, allez on va mettre Migaté en vrai, et puis on va mettre l'aspect direct hein, ici pour récupérer un peu de notre jauge d'esquive hein, d'ailleurs. Et puis on va lui mettre une bonne droite, hein, par la même occasion, je vous laisse admirer. On l'a désintégré, mon gars. On l'a désintégré. Ok, strike, cancel, ça joue perfect dodge, oh, ça joue beaucoup le perfect dodge en face, ok. On cover direct SV. C'est un RR, on met Gatai, les beaux gosses en vrai. On va mettre Gatai ici en vrai. On va le mettre ici, sûrement dispel. RR, parfait RR. RR on prend tous les jours sur Gatai Zamasu, c'est celui qu'on est plus le prêt à perdre. Étant donné qu'il a quasi au moins que de KMZ. Hein. Dommage, pas de counter. Oh ça change jamais ça The Bee. Jamais de counter. Et genre j'ai mon aft là, j'ai un aft, les refs, il est vénère. Hein. Il m'empêche de bien parler. Ah si je bégaye ou si je zozote, c'est à cause de ça. Ah, il m'empêche de trop bien articuler les gars, c'est terrible. Qui quoi? Ok, j'ai bien fait de pas attaquer, enfin d'esquiver direct, mais en vrai ça passera pas. On va cover Migaté en vrai ici. Rah l'ultime, ça passe pas normalement hein, ça. Ça passe clairement pas. Oh là là, heureusement que ça a sauvé ici le coup avec Migaté. On va dispel. Comme ça on est sûr vraiment qu'il nous fait rien. Ouais, on va kick quoi même direct ici, on va pas se gêner hein, et puis repartir sur l'aspect. Sauf ici en vrai, non, pas direct en vrai. Ok. Oh ça campe fort. Oh là là, wesh, ça bouge vraiment pas en plus hein. Oh là là, oh le mec, wesh, la gueule du mec, The Bee, bouge un petit peu, non? Bouge un petit peu, mon gars. Wesh, The Bee, il bouge pas. Par contre, on va te caler, wesh, à Goku. Pardon? Oh, ça n'attaque zéro. Oh là 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 là, oh, c'est immonde. Oh, oh, pas une attaque, rien. Pas une attaque, oh là, jusqu'au bout. Allez, on part sur la verte open safe ici, et puis l'aspect qui va régénérer l'esquive in tout RR, mais... T'as le SV, il donne le SV. En vrai, il est quasiment mort, SV, là. Hein. Ok, non, il est clairement pas mort. En vrai, il prend cher, mais il est pas mort du tout. Ok, ma Kikoa qui a même pas le temps de partir tellement c'est long, par contre. Ça, c'est abusé. Kikoa, il tient bien, par contre, wesh. Oh, je suis surpris hein, de la durabilité du... Wesh, l'aspect, oh là là. Mais la gueule du mec, je suis désolé, hein. Mais ça n'attaque zéro, hein. Full fond de map, full je n'attaque pas, full... Voilà, quoi. Full petit boob. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Non, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, c'est trop. Allez, faudrait prendre le kill sur l'RR ici, ce serait pas mal. On a de la chance, au moins c'est pas counter, mais... Non, faut aller se faire foutre, je suis désolé les BG, hein. Mais au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Wesh, zéro attaque quasiment. C'est un truc de ouf. Mais il attaque jamais. Mais c'est un truc de ouf, c'est moi qui ai vécu attaquer jusqu'à la fin. Spacey. Dispel. Donc son SV ne fait plus rien, hein, contrairement. Contrairement au mien qui fait se prendre, j'allais dire un RR. Oh là 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 là, est-ce que ça passe ou pas? Oh, je la mérite tellement, wesh. Aucune attaque lancée, hein, aucune, hein. On retiendra le record. Et non, malheureusement. Ah, c'est dommage. J'ai quand même gardé la game parce que Migaté a fait un taf de ouf. Mais le mec, zéro race en face, full camp, full petit. Petit zboob. C'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Petit zboob, la honte, mais bon. Migaté aura fait un très bon taf, donc je vais quand même garder la game. Mais wesh, non, c'est chaud les refs, hein, j'en reviens toujours pas, hein. Je pense qu'on a quand même de faire de belles choses. On a le moyen de faire de belles choses. Non mais vraiment c'est un... Ah c'est une honte comment je zozote sa mère.
Vraiment, ça va que camper. On a le droit encore à un match où ça va pas beaucoup attaquer. Mais je vais péter mon crâne par contre. Hein. Ok, prends ta spé. Oui, je sais ce qu'on va lui mettre. Oui, je le vois. Oh là là, mais par contre, Migaté, ce qu'il met en étant full boosté, pardon. La petite tapata quand même. On connaît Migaté. On connaît Migaté ici. Faut arrêter de camper, hein, monsieur. Hein. Mais ce qu'on lui met par contre. Je rappelle qu'ici, en plus de ça, on a le. Ok, on a réussi à l'avoir. Je rappelle qu'on a le contre-type. Hein. Et que c'est un Zenkai 7 en face. Hein. Donc vraiment, c'est excellent. Pff, le tax qui prend quand même les bonnes petites patates. Les incroyables patates. Mais on est en train de l'ouvrir en 18. Hein. C'est une honte. Ok, en vrai, mais une ultime. Hein. En vrai, mais une ultime. Hein. Ici, il récupère personne. Hein. Il n'a pas la durée de mise en attente. Il va l'ultime lui aussi, hein, bien sûr. Logique. Au moins, il lui fait cracher son ultime. Hein. Enfin, c'est bizarre dit comme ça. Ne prenez pas ça hors de son contexte. Non, mais au moins, on lui fait larguer son ultime. Et puis, c'est fait. Pff, les dégâts, c'est ridicule. C'est ridicule ce qu'on est en train de mettre. Migaté se défoule, genre, depuis avant. C'est vraiment la fête, hein. Ok, il attaque toujours pas. Oh, petite attaque lancée, nice. Une esquive. On arrive à le choper, ça c'est parfait. On se débarrasse vite fait bien. L'abandon, wesh, pourquoi? Pourquoi l'abandon? C'était possiblement une belle game. En vrai, on va la garder, ça va faire 3 belles games. Ça va faire le retour de Migaté dans la méta, ça y est, hein. Non mais vraiment, c'était excellentissime, hein, ce qu'on a pu voir du perso. C'était vraiment très très clean, très gros dégâts. Tankiness, douteuse, mais c'était déjà bien mieux qu'à l'époque. Après, encore une fois, 5KZ Zenkai, voilà, il faut doser 5KZ Zenkai, c'est normal. Mais c'était très propre quand même, les amis. Franchement, je suis plutôt surpris. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les gars. Mais comme d'habitude, moi, je trouve vraiment que c'était pas dégueu. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire de belles choses avec ce petit Migaté. Maintenant, il faudra encore une fois qu'on essaie d'avoir un équipement unique, un Zenkai peut-être pour ce perso. Et surtout un Zenkai, hein, je pense que c'est ce qu'il lui faudrait le plus. N'hésitez pas à tout cas me dire dans les commentaires si vous avez des persos que vous voulez que je showcase comme d'habitude la MIF. Des persos peut-être que vous voudriez que je fasse revenir au bout du jour. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Dragon Ball Legends. Et pour la deuxième vidéo du jour, qui arrive juste après dans une ou deux heures. Donc ce sera la vidéo réaction KNY, réaction du dernier épisode de la saison 2 de Kimetsu. Oui, monsieur, ça y est, je suis devenu une scène réaction. La MIF, mais non, j'avais trop envie de réagir en tout cas. Et puis n'hésitez pas, tout ça, petit pouce bleu de soutien, tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures sur Dragon Ball Legends et sur YouTube. Ciao!